Bonjour Bénédicte. Oui, bonjour. Alors vous êtes la responsable de la fondation de la Financière de l'Échiquier. On dit un mot pour situer Financière de l'Échiquier, une société de gestion. Société de gestion de portefeuille qui a beaucoup grandi ces dernières années. Nous sommes désormais 80, nous gérons plus de 5 milliards d'euros. Et justement parce que nous avons une croissance assez profitable, nous avons eu envie fin 2004 de partager les fruits de cette croissance et de créer une fondation à vocation humanitaire. Alors, qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Alors concrètement, c'est une fondation qui s'occupe beaucoup d'entrepreneuriat social. Pourquoi entrepreneuriat social? Parce qu'on y retrouve l'entreprise qui est au cœur de nos métiers financiers. Ces entreprises sont toutefois assez particulières puisqu'elles ont une finalité sociale. Et nous rencontrons surtout des gens extraordinaires, des porteurs de projets qui sont donc entrepreneurs dans l'âme, qui ont un souci de rentabilité et d'économie, mais qui ont surtout pour vocation d'aider beaucoup d'exclus. Et cette aide se manifeste à travers l'emploi, donc ce sont des emplois un peu particuliers, mais à travers ces emplois, ces exclus retrouvent une dignité, retrouvent le chemin du travail, et c'est l'objectif. Et vous, comment est-ce que vous intervenez en fonds? Vous leur donnez de l'argent? Oui, alors nous intervenons en financement. Nous avons une méthode de financement assez originale puisque le budget de la fondation est abondé par le partage de frais de gestion de deux de nos fonds comme un placement. Donc, et il est de combien? Le budget va être de cette année d'environ 1 million d'euros, donc c'est beaucoup d'argent. Est-ce que c'est un argument commercial également, comme le commerce équitable, en disant voilà, une partie est reversée dans cette fondation? Alors oui et non, on n'oublie jamais que nos clients nous confient des capitaux pour qu'on leur en redonne plus. Donc ces deux fonds... L'investissement équitable en fait, ou l'investissement socialement responsable? Oui, alors c'est des notions auxquelles bien entendu on réfléchit. Aujourd'hui nous ne sommes pas labellisés ISR, mais en tout cas la réflexion est menée. En ce qui concerne ces deux fonds communs de placement, c'est un argument commercial, mais le premier argument commercial est de délivrer de la performance. J'insiste, nous ne prenons pas de performance à nos clients pour la donner à la fondation. C'est uniquement sur surplus. C'est uniquement notre rémunération qui est partagée au profit de la fondation. C'est la société qui abonde exactement, la fondation. Exactement. Donc il n'y a pas d'appel à l'épargne, il n'y a pas d'appel à la générosité. Donc 1 million d'euros, qu'est-ce que vous en avez fait? Alors 1 million d'euros, on a notre plus gros projet, est un projet que nous avons financé à hauteur de 100 000 euros. C'est un projet qui s'appelle la boulangerie, qui est installé en Inde. C'est une exception puisque nous œuvrons essentiellement en France. Donc je démarre par l'exception. Et c'est un projet que nous avons démarré donc, avec un jeune garçon qui s'appelle Alexis Duclat et qui insère par le métier de boulanger-pâtissier des intouchables, des dalits, à qui en plus il apprend à parler anglais, à parler tamoul, à écrire, à lire. Et donc ça c'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur. Autrement nous finançons beaucoup de projets en France à travers des entreprises d'insertion. Donc je les cite en vrac, c'est Jardin de Cocagne, c'est Envie, le réseau Envie qui s'occupe beaucoup de collecte de déchets. Donc en plus de l'aspect insertion, il y a un aspect environnemental. Nous finançons aussi un garçon qui s'appelle Abdella Aboulargent, qui s'occupe d'une association qui s'appelle Jeunes Entrepreneurs de France et qui détecte dans les quartiers sensibles les fibres, la fibre entrepreneuriale de certains jeunes qui, par leur milieu familial ou culturel, pourraient être exclus de ce monde de l'entreprise. Comment est-ce qu'on peut bénéficier de votre soutien, de votre parrainage? Il faut taper à la porte? Alors, il faut taper à la porte. Il y a des critères ou est-ce que c'est juste le coup de cœur en fait? Alors, le coup de cœur est assez important. C'est-à-dire que le coup de cœur, que je dirais plus scientifiquement, la qualité du porteur de projet, mais bien sûr la personnalité du porteur de projet est déterminante. Il faut que celui-ci soit une fibre 100% philanthropique, il faut qu'il consacre à son projet 100% de son temps, il faut également que le métier soit parfaitement identifiable et clair. Et sur la base de ces projets, nous décidons de manière démocratique à travers un comité exécutif qui regroupe 3 personnes de l'entreprise et 3 personnes externes. Donc l'objectivité doit être là à l'issue des comités. Et en général, ce sont des dons, en fait, c'est pas de ce sont des dons. Participation. Pas du tout. Là, c'est vraiment, nous n'agissons qu'en dons, donc sans retour, c'est pas un crédit, c'est du financement pur. Dernière question, si la performance, ce que je ne vous souhaite pas, était moins bonne de ces fonds, est-ce que finalement la fondation perdrait oui, sa surface? Oui, absolument. Donc le budget est lié au marché action, au talent de nos gérants, mais nous n'avons aucun doute sur le talent de nos gérants. Merci beaucoup, Bénédicte. Je vous en prie.